Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Triash, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo de news concernant ce mardi, concernant les petites choses qui vont arriver sur le jeu. Alors cette vidéo va être plus courte que d'habitude, voilà, c'est juste qu'il n'y a pas grand chose, mais quand même il y a certaines choses qui peuvent être sympathiques à savoir. Donc nous allons tout de suite commencer par ce qui va arriver. Donc comme vous pouvez le voir, il y aura un nouveau char premium de seconde guerre qui va arriver, donc le tier 8. Donc c'est le chasseur de char ISU-152K, donc est un chasseur de char que vous avez peut-être certainement vu sur PC, qui existe déjà. Voilà. Nous avons le challenge pour le mois de mars qui est l'HMH T3485M. Voilà, qui est un tier 6. Nous avons une nouvelle branche de chars buff qui est les TD américains avec tourelle, mais ce sont les chasseurs de chars, mais du tier 4 au tier 9, et le T110E4 n'en fait pas partie. Donc pour tous ceux qui avaient peur qu'ils soient buff, et bien non, c'est ceux qui sont avant, qui en ont besoin, hein, qui vont se faire buff et non pas le T110E4. Donc comme vous pouvez le voir, tier 4 à 9 will mainly see adjustment to improve the upgrade progression of the vehicle and reduce the dispersion penalties for the turret rotation and vehicle movement. Donc ça veut dire que par exemple ils vont réduire la dispersion lorsque c'est une rotation de tourelle ou lorsque le véhicule est en mouvement. Voilà. While they will still have a poor accuracy when moving, you will be able to aim in much quicker once it's time to stop and engage. Donc ça en gros c'est pour dire que ils vont bouger bien évidemment l'accuracy, donc la précision lorsqu'on est en mouvement, donc un temps de visée un petit peu plus rapide, ce qui permettra de s'arrêter et d'engager les tirs plus facilement. Voilà ce qui dit. Ensuite les véhicules qui sont rajoutés dans l'arbre des chars, alors il y a le Demolisher T28, donc qui est un des chars bleus, avec l'éradicator et puis le Earth Striker. Donc le Demolisher T28, c'est un T28 prot avec le canon, pas le canon full, un canon 320 d'alpha, qui avait un barillet de 3. Donc lui, il va recevoir un buff de blindage, de pénétration et une réduction de la dispersion. Ensuite, un char, donc c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo news. C'est un char qui n'existe plus sur le jeu, qui n'a plus été en vente depuis des années et des années, qui est le Nameless. On va voir un peu juste en dessous qu'il y a son cousin, son petit frère, le Edelweiss aussi. Le Nameless va revenir sur le jeu. Et pour ceci, le Nameless va recevoir un buff de dépression de canon sur les côtés. Sur les côtés et puis sur le devant, voilà. Donc le Nameless aura une meilleure dépression, voilà. Vous allez voir juste voilà une petite image du Nameless pour ceux qui ne le connaîtraient pas, donc qui est un char japonais, mais on va revenir juste après. Ensuite un char mercenaire, le Cruncher, qui va avoir un buff sur sa portée de vue, son blindage tourelle et son temps de visée, voilà. Donc ensuite pour l'instant on n'aura pas d'autres infos sur les prochains chars qui seront buff, on en aura bien évidemment un peu plus tard. Voilà. Ensuite, une petite OP, Brother in Arms. Donc, toutes les batailles qui vont être faites en peloton, eh bien, tous les joueurs en peloton recevront 5% de crédit, d'XP et d'XP d'équipage en bonus. Voilà. Donc, dès que vous faites des pelotons, vous aurez ça. Donc, c'est pour favoriser les batailles en peloton. Ensuite, on a avec une petite OP, donc gagner 100 batailles en peloton pour recevoir une carte clé top secret, donc une par contre, voilà, donc c'est les cartes rouges si je dis pas de bêtises. Ensuite, une OP pour le Thunderbolt, le M4A3E8, voilà, donc pour le gagner. Donc bon, ça, c'est une petite OP, bon, on n'a pas d'infos, mais ça va être un truc vraiment très facile. Ensuite, petite info sur un sondage qui avait été fait sur les commandants de For Monster ou Tank Smash. Donc je pense c'est pour Halloween et pour Noël. Donc par exemple pour Halloween, c'est Valkyrie et le Green Reaper qui ont gagné, suivi du Headless Horseman. Et pour l'hiver, c'est le Monstrous Snowman et Monsieur Klaus. Monsieur Klaus, c'est celui qui va par exemple en... qui va avec le skin du Moss, par exemple. Donc pour Noël, bon ça c'est du truc qu'on s'en fout un peu. Ensuite, le retour des Chronicles Valkyria Tanks. Donc ça va être limité, voilà, donc ça va être des ventes limitées, qui va démarrer le 8 mars, donc pas ce mardi, mais le mardi prochain. Avec en vente le Nameless et le Edelweiss, donc qui seront en vente séparés avec chacun un équipage 2D, donc Carissa, Constance et Walking Gunther. Ou sinon, il y a une collection avec les deux qui sera en vente. Voilà. Et ensuite, pour terminer voici les quelques fixes qu'il va y avoir. Donc, par exemple, donc le premier, c'est... Alors, excusez-moi, c'est une traduction avec Google Trad. Voilà, donc il se peut qu'il y ait quelques mots qui ne veulent rien dire. Mais, en tout cas, voilà. La première ligne, donc, les modules semblent maintenant détruits dès que votre véhicule est détruit. Why not? Ensuite, les changements de munitions ne sont plus réinitialisés lorsque vous passez à l'autre arme de la section des munitions pour les véhicules à armes multiples. Donc ça, c'est concernant les chars de couloir, donc tout ce qui est BMP, Bradley par exemple. Ensuite, résolution d'un des problèmes où les chars s'affichaient latéralement dans un peloton. Donc ça, c'est le bug qu'on pouvait avoir lorsqu'on crée un peloton dans le garage où le char, au lieu de se poser droit, il est de travers. Voilà, donc ça, c'est par exemple ce bug. Ensuite, les écrans de célébration vierges n'apparaîtront plus. Bon, ça, c'est un bug que j'ai pas eu. Les textes de capture de base de rencontre affichent désormais le message correct en fonction de l'équipe qui capture. Je ne savais pas qu'il y avait un bug là-dessus, mais pourquoi pas. Ensuite, le modèle détruit de Bradley n'a plus de lanceur de missiles en double. Voilà, donc quand le Bradley est mort. Bon, voilà, c'est des petits bugs, hein, mais bon, voilà. Ensuite, correction de l'affichage des exigences de réservoir de contrat pour Tusk et The Machine afin d'afficher les bons véhicules pouvant être utilisés. Donc, pour le Tusk, il y avait eu des changements pour les chars qui était compatible. Alors est-ce que c'était plutôt un bug qu'autre chose, ou est-ce que c'était voulu maintenant qu'ils remettent, je sais pas trop, mais en tout cas apparemment ça va être corrigé, voilà. Ensuite, on peut désormais naviguer les munitions secondaires au consommable, bon pourquoi pas. L'indicateur nouveau indique désormais quand la mise à niveau de l'arme secondaire devient disponible, ouais pourquoi pas. La boîte de surveillance ne se duplique plus dans certaines circonstances lors de l'achat de modules. Voilà. Réduction des dégâts FX en vue sniper. Alors ça, c'est les dégâts visuels lorsqu'on est en train de viser, ce qui peut être plutôt sympathique parce que par moment, je ne sais pas si vous l'avez vu lors de mes derniers lives, mais par moment, on ne voit plus rien. Voilà, super. Et la dernière ligne, donc Update and Color Filters. Ça, c'est une chose qui va être très sympa, c'est mise à jour sur les filtres de couleurs. Merci pour votre patience, nous les supprimerons complètement pour le moment. Donc, pour ceux qui n'étaient pas au courant, ils avaient mis des filtres de couleurs un peu style cinéma, un peu inspiré des films, qui étaient honnêtement dégueulasses. Hein. Ça donnait beaucoup de couleurs ternes sur énormément de cartes. Donc, apparemment, ce filtre va être enlevé et on va retrouver les couleurs qu'on avait auparavant. Et ça, c'est une chose qui est plutôt sympathique. Ensuite, en divers, un mode coop en seconde guerre va bientôt arriver. Le mode multitourelle travaille encore, mais ça progresse, voilà, ça avance petit à petit. Garder les nouveaux joueurs en coop pour un certain nombre de batailles, voilà. Maintenant, on aura des nouvelles missions d'intégration en développement. Pourquoi? Je ne sais pas du tout ce que c'est. Mise à jour sur les filtres de couleurs. Bon, bah ça voilà, nanana, supprimer complètement. Ils le remettent une nouvelle fois. Et voilà, le prochain stream mettra en avant le lead vehicle designer, donc celui qui le chef de l'équipe pour gaming qui s'occupe du design des véhicules, donc Plague D1S. Wally Walou. Donc voici cette petite vidéo de news. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Voilà, donc c'était une petite vidéo news histoire de vous donner quelques infos. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt. Peut-être que d'ici là, peut-être que lundi, il y aura d'autres choses qui vont arriver ou d'autres articles sur de prochaines mises à jour. Mais voilà, s'il y a des choses importantes qui arriveront sur le jeu, ne vous inquiétez pas. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner pour les voir, pour avoir accès, et puis aussi évidemment pour avoir accès à mes futures vidéos autres que Mudo News, évidemment. Donc en tout cas, moi je vous laisse, salut à tous, et à la prochaine, ciao, bye bye.